Alors, boutique Facebook, nous allons voir comment insérer une boutique sur Facebook. Sur la vidéo précédente, tout de suite, on vient de voir également comment ajouter service. C'est pareil également pour boutique si vous n'avez pas boutique déjà sur votre menu principal. Donc, figurez-vous que à partir de maintenant, vous avez la possibilité de vendre avec Facebook en créant une boutique. Donc, à partir de là, vous allez configurer votre boutique. Donc, vous allez donner la liste de vos produits à vendre, les livraisons, c'est-à-dire les retours et les éthiques, le traitement des données, ainsi de suite. Donc, vous allez penser que voilà, vous acceptez les conditions. D'accord. Alors, ici, vous avez la possibilité de choisir les options, sélectionner un moyen de paiement. Alors, vous pouvez choisir de vendre par message. Donc, là, vous utilisez les messages pour poser des questions et négocier les prix. Ça veut dire qu'en ce moment, vous utilisez les produits sur votre boutique. Sur votre page, et là, les gens vont juste vous envoyer des messages, et puis voilà, ils peuvent négocier sur le prix. Comme vous pouvez choisir également de vendre avec votre site internet, d'accord? Nous allons réserver cette option-là avec le site internet pour la formation, je dirais, sur le marketing Facebook. D'accord, là nous sommes en train de créer une page professionnelle. C'est après avoir créé la page que nous allons maintenant commencer le marketing Facebook. Donc ici, alors lorsque vous avez ici votre site e-commerce, d'accord, avec vos produits, vous pouvez utiliser ça également pour pour intégrer votre Facebook. En ce moment, le prix n'est pas négociable. Vous voyez un produit. Vous avez la possibilité juste de valider le paiement avec des moyens de paiement en ligne ou en ligne. Là, ça se discute pas. D'accord? Donc ici, nous allons choisir de vendre avec le message. Donc, on va faire continuer. Et là, vous allez configurer votre boutique. Quelle devise utilisez-vous? Donc, vous choisissez votre devise. Ici, je pense qu'à l'heure maintenant, il y a les CFA. Donc, je vais faire une recherche. Voilà, donc il y a les CFA que vous pouvez choisir. Ensuite, voilà, la boutique est déjà créée dès à présent. Donc ici, vous pouvez donner une description à votre boutique. D'accord? Si vous souhaitez. Bienvenue dans votre boutique. Ok? Donc, votre boutique est vide, ajoutez des produits que les visiteurs pourront consulter et accepter facilement. Donc, nous allons ajouter un produit. Et pour ça également, on va aller faire copier-coller de nos produits ici. OK? Voilà. Donc là, ici, on va ajouter le nom des produits. Donc, excusez-moi, on va aller rapidement. Voilà, et ça également, c'est notre boutique
démon pour la formation. Le prix ici, c'est comme 45 000 t-shirts. D'accord. Donc, ici, on vous dit que le produit est en vente. Alors, là, on parle de promotion. Donc, ici, montrez aux gens que vous proposez une réduction sur ce produit en fixant un produit promo par rapport au prix normal. Donc, lorsque vous voulez faire une réduction de votre produit, vous pouvez cocher la case et puis voilà, vous allez donner le prix promotionnel. Donc ici, vous allez voir partager ce produit sur votre page. Alors, voilà la différence entre également le produit et les services sur Facebook. Vous voyez qu'au niveau des services, quand on a publié, les services ne sont pas partagés directement sur le fil d'actualité ou bien sur le journal. Par contre, ici, vous avez la possibilité. Lorsque vous cochez ici, automatiquement, ce produit... Votre produit sera partagé sur votre page dès qu'il sera approuvé. Alors, notez également que les produits, ce sont les choses qui doivent être approuvées par Facebook. Donc, voilà. C'est tout simplement ça. Donc, vous faites ici. Alors, ici, c'est le stock. Ici, c'est la visibilité. Et là, ce sont les options. Alors, ici, par exemple, vous pouvez choisir de montrer les stocks disponibles et la visibilité. Vous pouvez mettre public ou non public. Et là, les options. Vous pouvez choisir d'ajouter par exemple les libellules personnels, abonnés ou bien vendeurs. Voilà. Ici également, vous mettez l'image du produit que j'avais vraiment oublié. Vous avez également la possibilité aujourd'hui d'ajouter des vidéos. D'accord? D'ajouter des vidéos. Donc voilà, je viens de choisir mon image. Et là, je peux maintenant publier en cliquant sur enregistrer. D'accord? Donc, je vais tenter. Voilà, vous venez d'ajouter votre premier produit. Ok. Je vais ajouter deuxième. Voilà, je vais prendre produit annexe ici. Je viens dans ma boutique. Je vais publier ceci. Voilà. Le nom du produit. Ça fait 250 000. Je vais ajouter l'image. La description. Je vais également partager ce produit. C'est très intéressant, c'est très important. Alors là, excusez-moi, non, ce n'est pas ça. Ça, c'est comme je vous disais, c'est lorsque vous souhaitez de faire une promotion. Par exemple, là, ça fait 200 semaines. Ok, je lance une promotion en même temps. Donc, je fais une réduction. Donc, ça va faire 200 000. Voilà. 200 000. Et comme je vous l'ai dit tout de suite, c'est très intéressant, très important surtout d'ajouter, de partager votre boutique, les produits sur votre page, c'est-à-dire sur votre journal. Là, ça permet les gens en même temps de voir les produits que d'aller forcément dans les librairies boutiques pour voir les produits. D'accord? Je vais ajouter le troisième et dernier produit. Alors, j'aime souvent donner trois exemples. Voilà. Donc, là. Troisième produit.
78 000. La description. Voilà. Voilà, le produit doit être toujours public. Au moins, est-ce que vous n'êtes pas prêt d'avoir à les rendre publics. Voilà. Donc, voilà, lorsque vous publiez les produits, je vous rappelle, alors, ceci a été rejeté parce que le nom, en fait, vous voyez, j'ai fait des trucs sur le nom, des tirets comme si c'était une adresse, je pense que c'est la raison. Comme vous pouvez voir, là on a dit que ça respecte pas les règles, donc je vais juste retirer le tiret. Alors, donc, comme je vous disais, en fait, les produits sont approuvés manuellement par Facebook pour rassurer que vous publiez pas, vous vendez pas des sources illégales comme des armes, de la drogue, etc. Voilà, donc je viens de l'envoyer, j'espère qu'ils vont approuver. Voilà, donc traitement en cours. Ok, donc voilà, lorsque je reviens maintenant dans le rubrique boutique, je pourrais bien sûr voir boutique. Comme je vous disais, vous avez la possibilité d'ajouter une description. Vous allez bien venir. Voilà. Voilà. Donc là, lorsque les gens viennent, voilà les produits. Et lorsque je clique, voilà. Vu que, voilà, vous voyez, le produit, là, je peux contacter la personne. Voilà le prix. Je peux ajouter la quantité. Vous voyez, la quantité augmente systématiquement. Le prix, et là je peux contacter le vendeur. Lorsque je clique ici, automatiquement vous allez voir bonjour, voilà, ça dit le nom du produit, et puis on a dit montre homme pour cadeau m'intéresse, d'accord. Vous pouvez supprimer ça, et puis voilà, ou bien vous ajoutez un message et vous cliquez sur envoyer. Vous cliquez sur envoyer, automatiquement voilà, votre message envoyé. Et comme vous pouvez voir ici, je vais fermer rapidement. Vous voyez ici, on a reçu un message. Donc voilà le message que je viens de recevoir. Et là, vous discutez avec la personne, puisque à ce niveau, les prix sont négociables. Et lorsque vous revenez également au niveau de votre page d'accueil, vous allez constater que les produits sont là. Puisque vous avez choisi de partager ça au fil d'actualité. Donc, c'est tout à fait normal que vous voyez les produits. Si vous voyez, voilà les noms des produits achetés. Voilà. C'est vraiment formidable et c'est vraiment important d'ajouter une boutique à votre page. Voilà. Voilà. C'est tout pour la boutique. À tout de suite pour finaliser avec une passe professionnelle. Merci.